Shiur Lilou Nishmat Raviou Ben Tova Baya Rav Saadia Ben Chnina Chana Yaakov Shalom Ben Rachel Charlie Shlomo Ben Miriam Tirfoua Shlema Rav Moshe Ben Zari Anya Nachaya Bat Rosin Uchama Ravichia Ben Aisha Noray Mir Ben Azal Rav Gad Ben Esther Nissim Rifael Ben Natali Rivka Jacquil Ben Aïda Shaoul Ben Sarah Avraham Albert Ben Michal Zora Michelin Esther Bat Chana. Le Chafetz Chaim dans le La Lalef, il nous dit, Otzaïn, Mise, Nouchalida, de Kolcheken, Minogalo, Rak, Bichvot, Bealma. C'est-à-dire quelqu'un qui Nogia, Bakavod, de son prochain. Kigod, Chechev, Ben Chabouat, Anashim, Veno, Etza, Echli, Shamet, Mem. Non, pardon. C'est-à-dire qu'il ne sait pas comment se dépatouiller de cette situation. Il est avec des copains. Ils disent du Lachonara. Il sait très bien que s'il va se lever, ils vont dire, ah, le Tzadik, il ne fait pas de Lachonara. Il ne va pas perdre son argent. Hier, on a parlé qu'il va perdre son job. On m'a dit, bah, tu perds ton job, tant pis. Là, le Chafetz Chaim dit, « Kol sheken nogalo rak bichvot bealma. » Kol sheken, que tu dois éviter la shonara, c'est juste ton kavod qui en est touché. C'est-à-dire qu'on va dire de toi que tu es un petit tzadik, que tu ne fais pas de la shonara. « Kigod sheshev ven chaburat anashim ven oetza echlim leshamet mem » C'est pas comment s'en dépatouiller et partir de là. Vemedabrim dvarim asurim alpidin. Eux ils parlent du lachonara. Chez Yehoshev et Domem, s'il reste assis sans rien dire. Lo Isayimam be Sipurim klal. Yehoshev benehem kemishtagea. C'est-à-dire que s'ils restent comme ça sans rien dire, ils vont se donner. Mais pourquoi ils parlent pas celui-là? Bevada il est assur. Même ça c'est assur. Valze que c'est basé. Amrou chazal. Moutab le adam shikari shote. Vaut mieux qu'on t'appelle un idiot. Kol yama vealiye racha. Shahachat defina makob. Plutôt que d'être un racha pendant un instant. Vizarez atzmo bishat maase bechol kochotav lamod al nafsho. Tu sais quoi, tu es mitgaber. Même si on va dire de toi que tu es un fou, lève-toi. Veye nachon libo batuach. Kisraro ye avourze minashem itbarach aden ketz. Son mérite sera sans limite. Kemamon chazal, lui foum tsara agra. Tout est question de fatigue. Ouais. En fonction de l'investissement que tu mets dans une mitzvah, tu auras le salaire. Veita be'avod Rabbi Nathan, kimea pe'amim be'tzahar mipa'am echad shelo be'tzahar. Et c'est plus valeureux 100 fois be'tzahar qu'une fois sans, 100 fois avec tzahar qu'une fois sans tzahar. Qui d'avoir mitzvah ou l'ifroche mitvar isour, une mitzvah ou de s'empêcher de faire isour, chez balo ali de tzahar, quand c'est difficile, c'est là où c'est mieux. Sera omea pe'amim. Souvent on entend, mais c'est très difficile, mais évidemment, c'est là où tu as du sahar. Si c'est facile, il n'y a pas de sahar. Le terme mitzvah acheret, plus qu'une mitzvah que tu fais facilement. Pour moi, c'est rien. Éviter de manger basar bechalab. C'est pas très compliqué. Alors, tu n'auras pas beaucoup de salaire. Réalisé, kazé bevadai. Quoi? T'as pas fait quand même le visou. Nachot. Mais quand c'est dur pour toi, c'est là où tu auras le salaire. Beaucoup plus, 100 fois plus. Beaucoup plus, mais tu vas avoir aussi un salaire quand tu... Je n'ai pas dit le contraire. Tu préfères un shekel ou 100 shekels? Un shekel, tu reçois un shekel. Ve'al et kaze bevadai shayach mama chazal bamidrash kol rega ve'rega shadam chosem pi ve'zoche le or aganuz. Quand tu fermes ta bouche, tu zoche le or aganuz. La lumière qui est réservée aux tzadikim. She'en kol malach ou bria yachol esher. Personne ne peut estimer cette lumière. Olinian echit neg mitpas bechaburara kazolinian ochacha et kabbalah. Est-ce que tu dois leur faire la remontrance ou pas? Ça, on verra plus tard. Pour l'instant, il t'a dit va-t'en. Ou tais-toi. Tu ne dis rien. Tu essayes de fermer ton esprit. Si tu ne peux pas, t'en aller. Alors, on attaque le DAF. Même Zayin Amoudalef, tout en haut, à la deuxième ligne. Ouais, Masechet Shabbat, même Zayin Amoudalef. Amar Abizera, Amar Avasi. Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Hanina, Amar Rabbi Romanus. Li, à moi, itir Rabbi le Taltel Marta be'afara. À moi, Rabbi Romanus nous dit que Rabbi Udanassi, il a été matir d'être Taltel le Marta. Marta, c'est une sorte de keli avec des trous en haut dans lequel on mettait de la braise et on versait des encens pour sentir bon. C'est-à-dire qu'après, l'odeur, elle se dégageait des trous, ok? Dedans, il y a quoi? Elle est éteinte maintenant. Qu'est-ce qu'il y a dedans? De la cendre. Il a été matière d'être métaltel la Marta, qui est un cli,
Be'afara, avec la cendre. Or, un kli dans lequel il y a un davar mouktsé, il est bassis, c'est davar asso. Donc on ne comprend pas comment ça se fait. Étant donné que c'est un kli, comme on avait vu hier, Torah de kli aléa, alors c'est moutard. Mais c'est moutard quand c'est un kli vide. Mais quand il est plein de cendres ou de quelque chose qui est mouktsé, c'est mouktsé. C'est bassis, c'est davar asso, ce qu'on a vu hier avec le nerf. Comment c'est qu'il était matière chez la Tova? Amarle Rabbi Zera le Rabbi Assi, miam Rabbi Yochanan achi. Comment tu peux dire que Rabbi Yochanan il a dit que Behemet c'était moutard? Ve'atnan, pourtant il y a marqué Notel Adam Beno ve'even Beado. On a le droit de prendre un enfant s'il pleure et qu'il a des gagouilles, mais que là, on verra ça dans la Gemara, même s'il a une pierre dans la main, c'est parce qu'il souffre. C'est pas ça le sujet pour l'instant. O Kalkala, un panier, ve'even Betocha. Ah, un panier avec des pierres. Il est mouktsé. C'est un peu comme la Martha avec. Hein? Le panier, il n'est pas mouktsé. Et la pierre? Elle est mouktsé, mais elle est dedans le panier. Tu ne portes pas la pierre, tu portes le panier. C'est facile, c'est d'avoir un saut. Alors, quand tu as un sac, ouais, tu as un sac avec des courses dedans, qu'est-ce qui est plus important, le sac ou les courses? Les courses. Voilà. Donc là, c'est pareil. Le panier, il est fait pour porter la pierre, pour porter autre chose. Mais là, il y a une pierre. Donc c'est mouktsé. C'est exactement comme la Martha avec le FR. Le Martha avec le FR, tu m'as dit que c'est moutard. Et là, le panier avec la pierre aussi, c'est moutard. Mais attention, Rabbi Yochanan dit attention, ça sera moutard de porter ce panier avec la pierre que Bekalkala Melea Perot Askinan. Il y a plein de fruits et il y a une pierre. Ah, donc s'il y a des pommes et une pierre, qu'est-ce qui est plus rachou, la pomme ou les pierres? Eh bien, il y a la pomme. La pomme. Donc c'est Mouktsé les Davara Assour, Vea Moutard. C'est pour ça que c'est moutard. Mais s'il y avait qu'une pierre, ça aurait été interdit. Donc comment c'est que c'est moutard de porter avec la cendre? Tad ma de dve piré. Le tam du éther, c'est parce qu'il y a des fruits. Ah, les dve piré, l'eau. Mais s'il n'y a pas de fruits, c'est assur. Ishtomem kesha achada. Ici, on a une stira aminé ou bé entre Rabbi Yochanan en haut, qui permet de porter la marta avec la cendre, et Rabbi Yochanan en bas, qui permet de porter le panier avec la pierre, que s'il y a des fruits. Donc là, on ne mâche pas que s'il n'y a pas de fruits, c'est assur. Ishtomem kesha achada. Il a réfléchi pendant une heure. Il était abasourdi. Vama, il a répondu. Achanami deitbe kratin. Ici aussi, dans la Martha, il reste de l'encens. Il reste de la ketoret. Il reste de la levona. Il reste quelque chose qui sent bon. Donc, il est comme si il y avait des pommes dedans. Parce qu'il reste quelque chose qui sent bon. On peut s'en mettre. Ça sent bon. Borim de besamim. C'est clair? Donc, c'est comme s'il y avait des pommes. C'est pour ça que c'est moutard. C'est basique, c'est d'avara assour. La moutard. Amara baye. Abaye vient et dit, mais tu peux pas dire ça, pourquoi? Kratin berebi michashive. Chez Rabbi Uda Nassiare, là-bas on est chez Rebi. C'est Rebi qui a été matière de porter la Martha avec le FR, n'est-ce pas? Et Rebi, il était très, très riche. Tu crois vraiment qu'il va aller récupérer des petits morceaux d'encens? Ça, c'est les pauvres qui font ça. Rebi, il est riche. Et chez les riches, on récupère pas ce genre de choses. On jette tout. Donc si Behemet pour Rebi, ça n'a pas de rachivout, ou même si pour Rebi ça a une rachivout, mais la maison dans laquelle il était, l'argent avec laquelle il évoluait, ça n'a pas de rachivout. Donc c'est mouktsé. Donc c'est pour les animes, ça, pas pour les hachirim. Vechitema chazou les animes, tu me dis oui, mais pour les animes c'est pas mouktsé. Donc si c'est pas mouktsé pour l'anime, peut-être pour les hachirim non plus, la grande dit mais non. Pour l'anime, mais pas pour les hachirim. La Tania, big de anime, les animes. Un beged, 3 sur 3, on avait dit 3 et tsvot sur 3 et tsvot. Ça c'est un beged pour un ani, il va faire une pièce sur le pantalon. Mais pas pour les Hachirim. Les Hachirim, ils jettent le pantalon. Big des Hachirim, les Hachirim. Un béguette pour les Hachirim, 3 tfahim, donc 30 cm, c'est beaucoup plus gros. Ça, c'est un béguette pour les Hachirim et aussi, évidemment, pour les Hanim. Aval des Hanim, les Hachirim, non. Mais est-ce qu'un béguette d'Hani pour un Hachir, c'est un béguette? Non. Donc, ici aussi, pareil, ces cratines là, ces petits morceaux de l'Evona qui restent dans la Martha, c'est Raoui pour les Hanim, pas pour les Hachirim. Et là, on est chez la chérie. Alors, comment c'est que c'était pas mouktsé? Et là, Marabayam, il avec Graf Chéléry. Deuxième réponse. Alors, tu sais quoi? Tu as raison, Azov. Il n'y avait pas des morceaux d'encens dedans. Tu sais ce que c'est? C'est dégueulasse. Il reste de la cendre, c'est pas propre. Si c'est pas propre, on voulait débarrasser. On veut faire propre. Ça s'appelle Graf Chéléry. C'est quoi Graf Chéléry? C'est à l'époque, ils n'avaient pas de toilettes. Ils avaient des pots. Donc, ils allaient le pot, c'est un cli. Mais ce qu'il y a dedans, c'est mouktsé. C'est sale. Alors ça devrait pas être moutard de l'étaltel pendant Shabbat. Donc il va falloir laisser le pot dans la chambre.
Ça sent mauvais. Alors comment on fait? Moutard. Ça s'appelle grave chez les riz. On a été matière d'être métal tel mouktsé parce que c'est dégoûtant. Ça sent mauvais. C'est sale. Voilà le éther de grave chez les riz. Donc il dit c'est pareil dans la Martha avec le FR, c'est sale. Amarava, Rava, il vient, il dit Abaye. Rava, Abaye, c'était des chavoutot. Ils étaient ensemble. Ils ont grandi ensemble. Rava, il dit Abaye. Pas tout ce qui te dérange, tu peux qualifier de quelque chose de sale. C'est pas parce que ça te dérange que c'est sale. Ça me dérange qu'il y ait des pierres. C'est pas sale les pierres. Grave chez les riz, il faut que ça soit sale. J'étais tchouvot badar. Deux choses. J'ai deux tchouvot à te dire. Tu peux pas qualifier la Martha avec la cendre quelque chose de sale. Un cendrier avec des mégots de cigarettes, ça dérange. Mais c'est pas sale. Chada, grave chez les riz, maïs, vaille le maïs. Premièrement, le grave chez les riz, c'est moutard parce que c'est maïs. C'est maous. C'est sale. C'est vraiment dégoûtant. Alors que la cendre, non. Véod, deuxièmement, grave chez les riz, miglé. En plus, le pot, il est mégoulé. Donc c'est vraiment dégoûtant. Mais là, la Martha, c'est une sorte de boule comme ça, avec des trous en haut. On l'ouvrait, on mettait la cendre, on mettait les encens, on fermait. Donc maintenant, c'est fermé. Tu la vois même pas la cendre. C'est comme si c'était un cendrier fermé. Donc c'est amircé. Grave chez les riz, miglé, amircé. Ça s'est mégoulé. Donc si c'est méchoussé, c'est encore moins dégoûtant que grave chez les riz. Donc kol sheken qu'on n'aura pas le droit de le déplacer, midin grave chez les riz. Alors comment c'est qu'on avait le droit de déplacer ce sort de cendrier? Tu avais une réponse? Non. Et là, Marava, Rava il vient, il dit j'ai une réponse moi pour toi. Ki avinan berav Nachman, qu'on était chez Rav Nachman, ave metaltelinan kinuna agav kitma. On avait le droit d'être metaltel à kinuna. Kinuna c'était une sorte de grosse marmite dans laquelle on mettait des braises. Oui. Et avec ça, ils se réchauffaient, c'est-à-dire ils amenaient une sorte de chauffage. Ok ? Ils se chauffaient avec. Mais non, c'est moukhté apparemment, pendant Shabbat. D'accord ? Même si c'est éteint. Non. Ils étaient métaltel, avec métaltelinan, kinumna agav kitma. Parce que Erev Shabbat, c'était déjà éteint. Ils avaient dit, tu sais quoi ? Cette cendre-là qu'il y a dans la kinuna, qui est éteinte, on va s'en servir. Pourquoi on va s'en servir ? Ben, par exemple, pour recouvrir une saleté dans la maison. Alors à l'époque, dans les maisons, il y avait de la terre. Comment on fait quand il y a de la saleté par terre? On peut pas l'enlever, parce qu'on risque de faire un trou. Alors il prenait de la cendre, et il aspergeait par-dessus. Donc cette cendre-là, elle est mouktsé, si tu n'as pas été mechin merev Shabbat. Mais là, Bémet, il était mechin merev Shabbat. Et Rev Shabbat, il pensait à cette cendre, il disait, demain, on s'en servira pour recouvrir quelqu'un, il a craché par terre, par exemple. Ils n'avaient pas de mouchoir, donc ils crachaient par terre, donc ils recouvraient avec de la cendre. C'est clair? Donc c'est ça le éther. Même si dans cette kinuna, il n'y avait pas que de la cendre, il y avait aussi des morceaux de bois qui n'avaient pas complètement brûlé. Maintenant, les morceaux de bois, ils sont mouktés. Mais c'est pas grave, la cendre, elle est permise. Ça s'appelle bassis les davar à moutard, la cendre, les davar à sourd, les morceaux de bois. Alors c'est pareil dans la Martha, il permettait de transporter cette cendre dans la Martha parce qu'ils avaient l'intention de s'en servir Erev Shabbat de cette cendre comme dans la Kinuna. Ah, très bien. Ah, il reste des petits cratines pour Rebi, c'est moukhté parce qu'il va le jeter. Non, c'est comme les chivrets ici. Metsuya. Les chats, la Gemara dit Metive. C'est pas vrai, pourquoi? Alors il y a marqué Veshavin. Toi, tu es en train de me dire ici que quand c'est moukhté, c'est Bassis, c'est le Davar Asour, et à Moutard, c'est Moutard. La cendre, c'est Moutard parce que tu l'as préparé Erev Shabbat. Veshavin, pourtant, est marqué Veshavin. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon sont d'accord les deux. Chez Imieshba, Shivre, Petila, Aré le nerf. Quand il s'est éteint, Rabbi Shimon, il permet de le déplacer ouais. Oui. Et Rabbi Yehuda, il est au cerf. Maintenant, Shavin, sont d'accord les deux. Chez Imieshba, Shivre, Petila, Chez Assur, les Tatela. Que si la Petila, elle est arrêt, les petits lotes à l'époque, ils ne faisaient pas des petits lotes comme on fait aujourd'hui, des petits morceaux qu'on jette. Il est récupéré. Donc, c'est Mouktsé, cette Petila. Ouais. Et elle était faite en lin. Maintenant, la Ptila, peut-être elle est mouktée. Mais elle n'est pas très rachouva. Parce qu'à côté de ça, il y a l'huile. Et l'huile, elle est plus rachouva. Donc c'est mouktée les davar à sourd. Et à moutard. Donc ça devrait être moutard. Pourquoi il y a marqué Veshavin?
Comment c'est qu'il y a marqué que s'il y a des morceaux de ptila, il reste des ptilotes qui n'ont pas brûlé peut-être. C'est assur les taltel. Alors il s'est moukté les davara assur. Va moutar. Amarabaye begli la chanou. Ici on parle en Galil. Qu'est-ce qu'il y avait en Galil? En Galil, Rachid dit il n'y avait pas de lin. Le lin coûtait très cher. Donc dès qu'ils avaient un morceau de lin, ils le récupéraient. Ah, donc le lin il est moukté. Parce qu'ils avaient, ils allaient le récupérer. Ok, mais il y a l'huile. L'huile elle est permise. L'huile c'est pas moukté d'après Rabbi Shimon. Le tiroutilé. En Galil, ils avaient beaucoup d'huile d'olive. En Galil, il y avait beaucoup d'oliviers. Donc l'huile d'olive, combien elle vaut? Rien du tout. Ça vaut rien. Il ne récupère pas cette huile. Par contre, le lin, ça vaut très cher. Donc il y avait ici un gros décalage entre Davara Moutar et Asso. Et c'est la raison pour laquelle on est, le Issour, il était Mevatel le Eter. C'est ici qu'on prouve que quand on est... Comme ça, il dit le... Comme ça, il dit le Rivash, que dans Bassis et Davara Asso vers Moutar, il faut que le Moutar, il soit vraiment Khashou. Sinon, ça ne marchera pas. Et si Bémet, il n'est pas Khashou, si par exemple tu dis, si c'est d'avoir à sauver un moutard, j'ai des pierres et je mets des miettes de pain. Ah, c'est pas suffisant. C'est pas assez Khashou. Mais c'est moutard les miettes de pain. Oui, mais c'est pas assez Khashou pour faire basculer la balance et pour dire que c'est si c'est d'avoir à sauver un moutard. C'est battel aux pierres, donc c'est moutard. Par contre, si je mets des pommes, là oui, c'est bon. Et un hein? Ni pour lui, des miettes de pain, ça vaut plein. Ok, si ça vaut plein, ok, mais sinon, non. Donc c'est pour ça que le nerf, s'il restait des petits limes, c'était moukté parce que pour les gens de Galil, l'huile d'olive ne valait rien et les petits limes, par contre, valaient beaucoup. Lévi bar Shmuel, Ashkachiné ou les Rabbi Abba. Lévi bar Shmuel, il a rencontré Rabbi Abba, ou le Ravuna Bachia, Ravuna Bachia, d'Avu Kaimé à Pitra Debe Ravuna. Ils étaient devant la porte de Ravuna. Amar Léouma ou les Arzir Mitash El Tarsaïm. On change un peu de Tsugia, on va partir dans Binyan Bekelim. Maoul Arzir Mitash El Tarsaïm. C'est quoi Mitash El Tarsaïm? C'est un lit pliant. Alors, c'est quoi un lit pliant? C'est des barres qu'on emboîte les unes dans les autres. Ouais. Et après, au milieu, on met un sommier comme ça. Une sorte de tente, de bad qui se tend et hop, tu peux t'asseoir dedans. Un lit pliant, tu peux t'allonger. C'est clair? Alors, il y avait des gens, les Tarsaïm, qui voyageaient beaucoup. Ils avaient dans leur baluchon un lit pliant pour pouvoir dormir le soir. Est-ce que Shabbat, on a le droit d'être marquiv, ce lit pliant? Est-ce qu'on a le droit d'assembler un lit pliant? Voilà la question. Alors finalement, c'est un lit démontable. Demain, il va le démonter. Est-ce qu'on a le droit de l'assembler pendant Shabbat? Amarzir Kané, pardon. Ils ont demandé, Maoul et Arzir Mitash El Tarsaïm Be Shabbat. Est-ce qu'on a le droit d'être marzir un mitash el tarsaïm shabbat, un moulé, shapir dami, ils ont dit moutard. Ah. Atal kamed Rabbi Yehuda, il est allé chez Rabbi Yehuda poser la même question. Amar, ah, Rabbi Shmuel damre tarvayu, amarzir mitash el tarsaïm be shabbat, chayav khatat. Lui, il a dit que celui qui fait ça, shabbat, il est chayav khatat. Comment on peut avoir une marloquette pareille? D'un côté, il te dit moutard, et l'autre, il te dit carrément c'est d'oraïta. Même si c'est démontable, si tu l'as fait pendant shabbat, tu seras Khaya Fratat. Alors, la Gemara explique. Métivé. Amarzir Kané Menora. Un chandelier. Oui. Un chandelier, c'est démontable. Il y a des chandeliers qui se démontent. Maintenant, si tu l'as remonté pendant Shabbat, tu es Khaya Fratat. Amarzir Kané Menora, Shabbat, Khaya Fratat. Pourquoi? Parce que ça doit rester comme ça. Tu ne le démontes pas tous les jours. Nahon, une fois que tu l'as monté, tu le laisses comme ça. Donc tu as fait un keli. Oui. Si tu as fait un keli, tu es chayav khatat. Kané sayadin. Si tu as monté un kané shel sayadin. C'est quoi kané sayadin? C'est des... Je ne sais pas si tu as déjà vu les peintres. Des fois, tu as un pinceau pour peindre. Okay? Des fois, il faut aller peindre le plafond. Mais je ne suis pas assez grand. Alors, soit je monte à l'échelle, soit il y a un kané shel sayadin. C'est quoi? C'est un grand bâton qu'on met des morceaux, parce que des fois le plafond il est à 2 mètres, des fois à 3 mètres, des fois à 4 mètres, des fois à 5 mètres. Des fois il faut que je fasse des murs de 5 mètres, que je peigne tout en haut. Alors j'ai des morceaux, tac, tac, tac. Il est montable et démontable. Je rajoute et j'enlève. Ça dépend de la hauteur. Ok? Ouais. Madine,
Kaneshel Sayadin lo yarzir. Assur de le faire pendant Shabbat. Vimirzir, pas tour. Par contre, si tu l'as fait, là, tu seras pas tour. Pourquoi? Parce que même si tu l'as assemblé, c'est comme ça que c'est sa tsura. Ça reste tout le temps comme ça? Non. Des fois, tu l'enlèves. Ah, donc c'est pour ça que là, c'est pas tour à Balassour. Pas tour à Balassour, qu'est-ce que c'est? Pas tour de Minatora, Balassour, Midrapana. Vimirzir, pas tour à Balassour. Rabbi Simayomer, Keren Agula, c'est une sorte de cornemuse. C'est-à-dire que c'est un instrument de musique, une boule, Rachid a dit, dans lequel on mettait plein de flûtes et ça sortait plein de sons. Keren Agula, c'est une sorte de d'instrument de musique. Chayav, si tu as mis les flûtes dedans, tu es chayav. Parce que là, le Keren Agula, alors il fallait appuyer beaucoup. Il fallait ce qu'on appelle être tokea. Il fallait le fixer à l'intérieur. C'est pas juste tu l'as mis dedans. C'est bien fixé. Keren Pshuta, c'est un autre instrument de musique qui est plus pashut. Alors là, pas tour. Si tu l'as mis pendant Shabbat, tu seras pas tour. Parce que c'est ce qu'on appelle rafouille. C'est quoi rafouille? C'est-à-dire que ça bouge un petit peu. C'est pas bien fixé. Tu seras d'accord avec moi qu'il y a des objets que quand tu les fixes, des fois c'est bien fixé, des fois c'est pas très bien fixé. Si c'est bien fixé, alors tu as fait une binya, tu as construit quelque chose. Mais si ça bouge un peu, comme ça il explique le Raïved, que si ça bouge un peu, ça s'appelle rafouille. Alors, c'est pas tour. Mais ça reste à sourd. Et le Smag, lui, il dit que quand est-ce que ça s'appelle Tokea, c'est quand c'est un spécialiste, un professionnel qui fait le travail. Si c'est toi qui fais le travail, tu pourras jamais fixer la chose comme il faut. Donc tu seras toujours pas tour. Donc le smag, il est vachement méqué. Nous, on va de l'efmaasé, d'après le Raïved, il faut que ça bouge un petit peu pour que ça soit rafou. En tout cas, ici, on voit que c'est pas tour à Balassour. Donc comment ça se fait qu'on a permis d'assembler le lit pendant Shabbat? Même si ce lit qui est démontable, et que demain tu vas démonter aujourd'hui, c'est comme ça, c'est ça tsura. Donc ça ressemble un petit peu à le bâton du peintre. Mais ça devrait être pas tour à Balassour. Même si tu fais rafouille. Elle m'a répondu, Inu d'Amour qui a Itana des Tania, eux ils pensent comme un autre Tana qui s'appelle Rashbag. Que quand tu fais rafouille, c'est Mouta, c'est pas sourd. Mais la Vnotamita, donc les pieds du lit, hein, c'est-à-dire le lit était en bois. Et pour pas que les pieds s'abîment, il les mettait dans des socles. Kraot Amita, c'est les montants du lit. Ve Levachim, Levachim Shel Sekivam. Alors c'est quoi Levachim Shel Sekivam? Tu vois Rachid? Il dit quand tu as un arc. Ouais, tu as un arc. Tu as un petit truc ici en bois sur lequel tu viens poser la flèche. Là, ici, comme ça, tac. Et là, tu poses la flèche comme ça. Et tu tires, pfff, la flèche, elle s'en va. C'est ça, ça tu peux pas. L'oyarzir, c'est un sourd. Parce que quand tu le mets à l'intérieur, même si ça tient pas bien, tu risques de le fixer bien. Et si tu le fixes bien, tu as fait Binyan Bekelim. Vimirzir, pas tour. Et si tu as été marzir, tu pas tour. Ah bah la sourd. Oui. Veloitka. Ah, ça c'est sûr. Attention, ne le fixe pas fortement. À l'idée de Kia, de mettre un coup de marteau par exemple. Vimtaka. Si tu as mis un coup de marteau pour que ça bouge plus. Chayavratat. C'est la raison pour laquelle Chachamim nous a interdit de le faire. Même quand c'est rafouille. Pourquoi? De peur que tu le fixes. Ça reste à sourd. Rashbag Omer, Imaya Rafouille Moutard. Rashbag il dit, si c'était Rafouille, alors ça sera Moutard. Donc c'est pour ça qu'on a été matière de rassembler le lit pliant, parce que c'est Rafouille. Omer Tosfot, Rafouille, ça veut pas dire que tu l'as fait d'une façon refouilla. Ça veut pas dire que quand tu l'as assemblé, tu l'as pas bien assemblé. C'est que c'est comme ça que ça s'assemble et ça bouge un peu. Ouais, tu vois, les lits pliants, des fois, ils sont pas très fixes. Ils bougent un petit peu. Ça bouge à l'intérieur. C'est pas grave, parce que tu dors dessus et puis ça suffit. Ok? C'est donc, il faut que ça soit toujours rafouille pour que ça soit permis de le ressembler. Et comme ça, ils ont été possèdes comme Rashbag, comme ça, ils ont été permis, ils ont permis de rassembler un lit chez le Tarsaïm. Ok? Les Maasé, le Shulchan Aruch les possède comme Rashbag. Et donc, on a le droit de faire Bnia Bekelim quand c'est une Bnia Refouya. Donc, par exemple, les jeux, les Lego, c'est pas Takua, c'est pas quelque chose qui ne bouge plus. La preuve, tout ce que vous construisez, à la fin, ça se casse. Ce n'est pas quelque chose de fixe. Donc, c'est pour ça que c'est moutard. Okay, mais le problème, il est que le Magan Avraham et le Taz, ils ont permis de visser des bouchons sur les boîtes.
C'est comme un pot de confiture. Quand tu fixes le bouchon dessus, c'est fort, c'est parafouille là, ça bouge plus. Des conserves, tu les fixes, après ça bouge plus. Hein? Et tu le mets au frigo et tu le laisses. Donc pourquoi ça serait pas assourd? Au moins des rabanan. Ça devrait être assourd, mais des rabanan, puisque là c'est parafouille. Oui? Ouais. Alors le Chazon Ish, il explique. Il dit parce que. Kartsura Tashimush. Quand est-ce que c'est assourd? Le Chazon Ish, il dit une super Svara. Quand est-ce que c'est assourd? Il dit que quand tu assembles à ta Gomer Kelly. Le problème, c'est ma kebépatige. C'est-à-dire que tu finis le kli. J'avais un pinceau avec un petit manche, et là maintenant j'ai un pinceau avec un grand manche. Donc, j'ai fait ma kebépatige, j'ai fait Gmirat Kelly, j'ai fait une Bniat Kelly. Ok? Le Chazonich dit quand je visse mon couvercle sur le pot, je fais pas une Bniat Kelly. Kartsura Tashimush. Des fois il est ouvert, des fois il est fermé. C'est pas que je suis Gomer Kelly. Et donc c'est pour ça hein, que c'est moutard. Et Reb Shmuel Zalman, Urbach, il dit une autre svara, mais dans le même esprit, il dit que finalement, ce kli, quand il y a le couvercle ou quand il n'y a pas le couvercle, c'est pas avec le couvercle que je finis le kli. Le kli, il est gamour même sans couvercle. Je peux m'en servir sans couvercle. C'est juste que quand je veux le fermer, je mets le couvercle. Donc étant donné que le kli, il est déjà gamour sans couvercle, ça ne s'appelle pas que je suis Gomer Kelly en mettant un couvercle. Alors que avec le bâton et le pinceau, si je veux peindre en haut, alors ben mettre. Même si c'est assourd, évidemment, de peindre pendant Shabbat. Mais si je veux le préparer pour le faire, ça s'appelle Gmirat Kelly. J'ai fait un Kelly et le Kelly n'était pas fini tant que je n'avais pas assemblé les morceaux. Voilà pourquoi on a le droit de visser un couvercle sur une boîte. Berav Chama, à la yeshiva de Rav Chama, Avamita Glalinta. Il y avait là-bas un lit. Avec des roues. Non, un lit pliant. Pas avec des roues. Avait Meadrela Abeyomataba. Et il assemblait pendant Yom Tov. A Marlea ou Mirabana, là-bas, il y avait un Talmid Chacham, Mirava, il dit Maïda Ater, Binyan Minatsad. Pourquoi tu permets un truc pareil? Parce que tu dis rien. Parce que tu penses que c'est Binyan Minatsad. C'est-à-dire que tu es bonnet, Béchinouï. Donc c'est pour ça que c'est moutard. Alors il dit ni, il dit Sura de Oraita Leika. Même si quand tu es bonnet, Béchinouï, c'est pas un Isur de Oraita. Il sera des rabanan miaï, quand même, au moins il sera des rabanan. Pourquoi c'est moutard? Amarle Anna Kerashbag Sirali. Il dit parce que nous on est possédé comme Rashbag. D'Amar et Maraya Rafou, moutard que quand la tsura gmoura du lit, quand il est fini, c'est rafouille. C'est-à-dire que c'est pas très très bien fixé. Ça bouge un petit peu. Il n'y a pas des vis et des trucs clac-clac que ça bouge plus. Alors, ça sera moutard. Et Massé, est-ce qu'on a le droit de monter, de descendre un stander? Il y a des standering avec des vis. Il monte et il descend. Est-ce que c'est moutard? Tu le fixes, alors ça devrait être Assour. Non, les Maaser, Rav Shmuel Zalman, il les matire. Parce qu'il dit carte sur attaché mouche comme ça, des fois en haut, des fois en bas. Et donc ça s'appelle pas que. C'est pas comme le bâton du peintre. C'est pas que je m'en sers que quand il est en haut ou que quand il est en bas, quand j'ai décidé que je dois peindre en haut. Non, des fois que c'est en haut, des fois c'est en bas. Non. Yeshrol Kimbed. Mishnah, notnim kli tachat aner le kabel nitzotzot. On a déjà vu cette Mishnah. Si j'ai un air pendant Shabbat, j'ai le droit de mettre une petite coupole dessous pour récupérer les nitzotzot qui tombent, pour pas que ça prenne feu. Oui. Velo etal et tochomai. Par contre, tu mets pas d'eau dedans. Mais peneshi umechabe, parce que ça s'éteint. Si tu mets de l'eau dedans, alors là, l'étincelle quand elle tombe dedans, elle s'éteint. C'est à soi. Et on a dit premièrement, il y a deux dynimes dans la Mishnah. Premièrement, mettre une coupole. Deuxièmement, ne pas mettre d'eau dedans. Le fait de mettre une coupole, la Gemara demande, Véa Kimevatel, Klimechano, Arrêtimevatel, un clé de son utilisation. Une fois que tu as mis l'assiette dessous, tu ne peux plus la prendre parce qu'il y a du moukhté dedans. Donc, Timevatel, Klimechano, on a vu Dat Rashi, c'est comme si tu étais sauté à un keli, c'est comme si tu détruisais un keli. Parce que c'est comme si que tu le fixais, maintenant on ne peut plus le toucher, on ne peut plus bouger. Amar Avna Breda, je suis un Nitzotzot et Ben Mamash. Non, là ça ne s'appelle pas Klimevatel, Klimechano parce que dans les Nitzotzot, il n'y a pas de Mamashout. Une fois qu'elle est éteinte, ça vaut rien, c'est plus rien, c'est de la cendre. Et donc c'est pour ça que c'est moutard de mettre la coupole sous les nérotes. Maintenant, deuxième dîme de la Mishnah, c'est qu'on n'a pas le droit de mettre d'eau dedans. Parce que ça éteint les étincelles. Velo éteint les tochomaïm et pene shumechabe. Alors la Gemara dit Leimatnan, Stama, qui Rabbi aussi. Est-ce qu'on va dire que la Mishnah elle est comme Rabbi aussi? Qu'est-ce qu'a dit Rabbi aussi? On verra une Mishnah plus tard. Que si un homme il voit qu'il y a un incendie, il ne peut pas éteindre l'incendie évidemment.
Mais est-ce qu'il peut mettre devant, avant que l'incendie arrive, à un certain endroit, une ligne de raviotes pleines d'eau? C'est quand l'incendie est là-bas, il ne veut pas qu'il arrive chez lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il se barricade avec des raviotes pleines d'eau. Il met tout le long des raviotes, des tonneaux pleins d'eau, oui, ou des jarres en jerez pleines d'eau. Et quand le feu arrivera, qu'est-ce qui va se passer? Il ne pourra pas passer. Pourquoi? Parce que, de un, il y a les raviotes. Et même si tu me dis qu'il va faire brûler les raviotes, alors qu'est-ce qui va se passer? L'eau, elle va éteindre le feu. C'est Melara. Non, ça s'appelle Gram qui brûle. C'est moutard. Rabbi aussi, Oser. C'est assourd. Donc la Gemara dit, ici apparemment c'est comme Rabbi aussi. Tu n'as pas le droit de mettre de l'eau dans ta coupelle parce que ça va éteindre les nitsotsot. Lema, Tnan, Stama, Rabbi aussi. Est-ce qu'on va dire que notre Mishnah, elle est Stama comme Rabbi aussi? Alors que là-bas on a dit que c'était Rabbi aussi. Là, ici on ne dit pas, on ne précise pas. Stam comme Rabbi aussi. C'est caché. Parce que si Ben est Rabbi aussi, il fallait le dire. Damar, Gorem, les kibouilles, assourd. Arrête, Rabbi aussi pense que si tu es Gorem, que ça s'éteint, c'est assourd. La Gemara dit, Vetisbera. Arrête, d'après ta svara, Imur, Damar Rabbi aussi, Beshabbat. Quand est-ce que Rabbi aussi il interdit de mettre les tonneaux pleins d'eau pendant Shabbat? Parce que pendant Shabbat, tu fais une sorte de melacha qui va engendrer que le feu s'éteigne. Beref Shabbat, Miyamar. Mais est-ce que Ref Shabbat, j'ai pas le droit de faire ça? Ref Shabbat, j'ai le droit de mettre des tonneaux pour que ça s'éteigne. D'accord? Or, notre Mishnah, elle parle même Erev Shabbat. Je n'ai pas le droit de mettre une coupelle pleine d'eau, même Erev Shabbat. Pourquoi? C'est pas marqué dans le Mishnah, c'est marqué dans la Braïta. Vechitema Hanami Beshabbat, si tu veux dire que ici, chez nous aussi c'est Beshabbat, Vehatania, mais il faut aller en Braïta, Notim Klita Chatanel Kaben Sosot Beshabbat. On a le droit de mettre une coupelle vide pendant Shabbat, Ven Tsarik Lomar Erev Shabbat. On n'a même pas besoin de dire que Erev Shabbat c'est Moutar aussi. Si Shabbat c'est Moutar, Kol Sheken Erev Shabbat. Velo Itan Etochomai Mipeneshu Mechabe. On n'a pas le droit de mettre de l'eau dedans parce que tu es un BRF Shabbat. Ben Tsarik Lomar Shabbat, Kol Sheken, tu n'as pas le droit de le faire pendant Shabbat. Donc en deux mots, cette Mishnah elle est kasha. Parce que même si tu veux me dire que c'est Rabbi aussi il n'a jamais interdit de mettre les tonneaux BRF Shabbat, il a interdit de le mettre pendant Shabbat. Or notre Mishnah elle parle même BRF Shabbat, on n'a pas le droit de mettre une coupelle pleine d'eau, même BRF Shabbat. Et là, Marabashi a filouté Marabbanan. Donc c'est pour ça que notre Mishnah Bémet, elle ne va pas seulement d'après Rabbi aussi, elle va même d'après Rabbanan. Notre Mishnah elle est Stama, elle est Kulalma. Shane acha, mais Shane la Gemara dit, Shane acha ici c'est différent, mais peine chez mes karev et kibouyo. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une différence entre gram kibouy et mettre une coupelle où le feu va directement tomber dans l'eau. Si Bémet je mets des tonneaux ici pleins d'eau pour que le feu ne passe pas, peut-être que le feu il va s'éteindre avant. Est-ce que c'est sûr que Bémet le feu va arriver ici? Tu n'en es pas sûr. Est-ce que c'est sûr que les jarres elles vont exploser? Tu n'en es pas sûr. Peut-être qu'elles ne vont même pas exploser. Il y a Choliot qu'il n'y aura même pas de kibouy. Oui? C'est pour ça que là-bas, Chachamim sont matières. Aval, si tu mets une coupelle pleine d'eau pendant Shabbat, là, ça tombe directement, puisque tu vois qu'il y a l'initsotsot. Donc si tu mets de l'eau, tu vois que l'initsotsot, elle va s'éteindre directement. C'est pas peut-être que ça va s'éteindre avant. Non, elle ne va pas s'éteindre avant. Il y a des nitsotsot, tu les vois sauter. Tu mets de l'eau, ça va éteindre Beyadaim. C'est comme si tu éteignais Beyadaim. Alors là, étant donné que c'est mes karev qui bouillent, Rachid dit, étant donné que c'est mes karev et mes chabé mamash, comme si c'était Beyadaim, même Erev Shabbat, on a été gozer d'interdire. C'est-à-dire que, étant donné que pendant Shabbat, c'est comme si tu éteignais Beyadaim, alors même Erev Shabbat, tu n'as pas le droit de mettre de l'eau dedans. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de Rabbi Yossi, Rabbanan, quand il y a le feu qui arrive et que je mets des cruches d'eau. Non. Là-bas, il y a Choliot que jamais ça va s'éteindre. Ici, c'est Badaï que ça va s'éteindre. Et donc, Shabbat, c'est Assour Mamash. Et même à Shabbat, c'est Assour à tout Shabbat. Maintenant, le Tosot, il demande comment est-ce qu'on peut permettre de mettre de l'eau dans les nérodes? Alors, quand tu mets dans les nérodes de l'huile en haut, en bas, tu peux mettre de l'eau. Alors, ça devrait être Assour. C'est comme si je suis mais car si on n'a pas le droit de mettre de l'eau dans la coupole Erev Shabbat. Alors quand j'annule mes Nérot et Erev Shabbat, je mets de l'eau dedans, ça devrait être assourd, parce que c'est comme la coupole, c'est pareil. Car Shoel Tosot. J'ai la Tova, hein. Omer Tosot. En Bekar Meshum Kirub Kibouy, Kivan Cheno Mitkaven Lecha Bot et Esh Keshtagi Alimaim et Lalag Bia et Hashemen. Tout ce que tu veux, toi, c'est que le Shemen, il soit en haut, parce que dès que le Shemen, il va en bas, il n'y a plus d'oxygène, ça brûle moins bien.
Donc tu veux pas que ça descende. En plus, tout le verre, il devient noir. C'est pour ça que tu mets de l'eau. Tu mets pas de l'eau parce que tu veux que ça s'éteigne. Tu mets de l'eau parce que tu veux que le chamine soit en haut. Et tu veux pas remplir jusqu'en bas. Donc c'est pour ça que tu mets de l'eau. Car, Omer Tosot, les masses, car le Shulchan Aruch dit, et le Rama dit, tu sais quoi, même si tu as envie que ça s'éteigne, ça sera moutard. Même si tu as l'intention, sera moutard, parce que là, il n'y a pas de xéra qu'on va le faire pendant Shabbat. C'est pour ça que, d'après le Rama, c'est moutard. Et il n'y a pas de mekarev kibouyo dans le fait de mettre de l'eau à l'intérieur des néons. Mishnah, à l'adran à l'arkir, on a fini le troisième pérec, on commence le quatrième pérec. Bametomnim. Ouais, on a fini avec Bichoul. Maintenant, on passe à Echeïa, on passe à Atmana. Atmana, c'est-à-dire que Erev Shabbat, il prenait la casserole, il ne voulait pas la laisser sur le feu tout Shabbat, parce qu'elle est cuite, c'est bon, elle est prête. Le problème, c'est que je dois la garder chaude jusqu'à demain midi. Ils n'avaient pas de plata. Comment je fais pour garder chaude jusqu'à demain midi? Je l'enterre. Je la mets dans un endroit où la chaleur, elle reste à l'intérieur. Ça s'appelle Atmana. Atmana, Bedavar, chez Eno Mosif Evel, c'est moutard, quand ça ne rajoute pas de chaleur. Atmana, Bedavar, à Mosif Evel, quand ça rajoute de la chaleur, c'est assur. Shema Yatmin Beremet, de peur que tu vas. Être matmin avec des braises, c'est aussi Mosif Evel, donc ça fait partie de la même catégorie. Et si tu es matmin beremet dans des braises, là il y a un vrai chachach ritouille, peut-être que tu vas être mechaté, peut-être qu'en bougeant la marmite tu vas être mechaté, donc c'est pour ça que c'est à ça. Ta Mishnah, bametomnim, bametmun. Voilà les matières avec lesquelles on a le droit d'être matmin et les matières avec lesquelles on n'a pas le droit d'être matmin. En tomnim lo begefet, c'est après avoir écrasé les olives pour faire de l'huile d'olive, le gefet c'est toute la psolette des olives, c'est chaud. C'est Mosif Evel. Vélo Bezevel, l'engrais. Hein, l'engrais animal. Quand la vache, elle fait ses besoins, c'est chaud. Alors, ça aussi, c'est assour. Mosif Evel. Lobe Melach. Melach, c'est le sel. C'est chaud. Vélo Bezid, la chaud. Vélo Bechol, le sable. Alors, le sable en lui-même, il n'est pas chaud. Il n'a pas de chaleur personnelle, mais il reçoit la chaleur de la marmite et donc il garde la chaleur. Un peu. Comme une couverture ou une couette. Ouais. Alors, la couette, elle n'est pas chaude, mais quand tu es à l'intérieur, ton corps il produit de la chaleur, c'est grâce à ça que tu as chaud. Bah, c'est pareil avec le chol. Ben lachin, ben yevichin. Maintenant, toutes ces matières-là sont interdites que ce soit mouillé ou sec. Tout le temps à soi, parce que c'est Mosif Evel. Par contre, il y a des matières qui sont interdites que quand c'est lard, mouillé. Vélo beteven, la paille, vélo bezagin. Zagin, c'est la psoète de raisin quand on a fait du vin. Il y a la psoète de l'olive. Et l'absolu du raisin. Ça aussi, c'est chaud quand c'est lard. Vélo ben mochin. Alors, mochin, il dit, c'est tout ce que Rachid dit, tout béguet qui est souple. Ça peut être un béguet en coton, ça peut être un béguet en laine, tout ce qui est béguet souple. Vélo ben asavim, des plantes, des feuilles. Bisman chenachin, tout ça, c'est interdit que quand c'est lard. Aval, tomnim ben keshenevichim. Mais quand c'est yavesh, quand c'est sec, tu peux faire atmana parce que c'est pas mossif. Quand on parle de gefet dans la Mishnah, on parle d'afka de zétine, c'est assour, mais si c'était des shumshemin du sésame, ouais, on fait de l'huile avec le sésame. Alors maintenant, l'absolète du sésame aussi, c'est, ça peut tu peux être matmine à l'intérieur, ça garde la chaleur. Est-ce que dans la Mishnah, on a interdit seulement quand c'est des zétines, aval des shumshemin, shapir damé, c'est moutard? Odilma des shumshemin tnan. Bien non, dans la Mishnah, quand on parle gefet des shumshemin. C'est moins chaud que les étimes. Donc, si déjà dans le shumshemin c'est assour, kol sheken que les étimes, ça sera assour. Et kol sheken des étimes. Oui? Tashma. D'amar abizera meshumchad debe rabianai. Abizera au nom de meshumchad debe rabianai, un de la isha de rabianai. Koupa chez tamanba. Alors, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris une koupa, une boîte. Chez tamanba, il a mis sa casserole dedans. Et à l'intérieur, il a mis il a comblé les trous avec du linge. Et cette coupe à cette boîte avec avec de la laine par exemple. Et il a mis dans des geffet. Assur la nicha al geffet chez les zetim. Tu n'as pas le droit de mettre sur geffet chez les zetim. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que geffet c'est quoi? C'est du zetim. Dafka de l'olive. Shema mina chez les zetim. Shema que dans la Mishnah, on a parlé d'afka de zetim. Aval dishum shemin sera moutard. On dit, mais non, pas du tout. Là, on parle d'un cas particulier. Il n'a pas mis la casserole dans le geffet. Il a mis la casserole dans une boîte et la boîte dans le geffet. Donc, il y a une perte de chaleur. S'il y a une perte de chaleur, c'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de chaleur. C'est d'œuf. Là, on dira, c'est seulement Zetim qui assure. Léolam imalach, léinian atmanat, shumchemin, ami assure. Je te dirais, quand tu es matmin de la casserole directement dedans,
Alors même Shumshemin, c'est assur. Dans notre Mishnah, même Shumshemin, c'est assur. Pourquoi là-bas, c'est l'Afkazetim? L'Inyan, Asuk et Evla, pour donner beaucoup de chaleur, parce que c'est dans la boîte et qu'il y a une paire de chaleur. Des Etim, Maske Evla. D'Afkazetim, ça donne beaucoup de chaleur. Des Shumshemin, le Maske Evla. Par contre, des Shumshemin, ça donne moins de chaleur, ça fera pas le travail. Donc c'est pour ça que. Ça, on n'est pas recherche là-bas que ça va être Mosif Evel quand on met la boîte sur les Shumshemin. Mais si on met la boîte sur les Etim, ça va être Mosif Evel. Là-bas, ça sera à source, ça se rappellera une Atmana Mosif Evel à l'intérieur de la boîte. Alors que dans le Shumshemin, ça sera Moutar. Mais Léolam, une vraie Atmana qu'on met à l'intérieur du Gefet, Ben Shumshemin, Ben Zetim, ça sera à source.